génial, j'ai un Malik Spour. Mais on voit. Si. C'est vraiment. Franchement, un boulet quoi. Oh yeah! C'est toi que ça doit arriver. Présenter s'il te plaît. Je m'appelle Alain, on me surnomme Blunt, je suis musicien et un peu otaku sur les bords aussi. Alors ça fait combien de temps que tu joues de la gratte? Ça fait 9 mois. Waouh, mais tu te joues super bien. Merci, c'est gentil. Et quelles sont tes influences? Beaucoup de pop anglaise, de pop rock, j'écoute aussi pas mal de rock japonais. Oui. Voilà. Et donc, quoi de neuf pour le Shibi Japan Expo? Quel est ton programme pour aujourd'hui? Aujourd'hui, programme freestyle, on va faire un peu tout ce qu'on veut, on verra sur le moment. Puis aussi faire de la guitare, pouvoir profiter qu'il y ait du monde. Oui. Voilà. Et donc, message à tes fans, à tes proches, les gens qui t'ont entraîné font. Un message, profitez de la vie, keep your smile et faites de la musique quoi. Ok. Et un site internet Non, pas encore, mais ça viendra, je pense. Un MySpace peut-être bientôt. Courage, merci. Merci. Bonjour. Salut, salut, ça va? Ça va toi? Ouais. Avec des amis, les serpentards vont faire la loi. Ouais. Serpillère en force. Regarde ce que tu as ramené. Un vif d'or. Un vif d'or fait maison. Mort. Il bouge encore, hein? Il bouge encore. Elle a une araignée au plafond, je crois. Oui, je sais. D'ailleurs, tiens, regarde, voilà ton sac à bonbons pour Halloween. Ouais, mon sac à bonbons. C'est un carton, mais c'est bien. Et voilà, comme ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Présenter normalement ou non, présenter comme tu veux, c'est toi qui choisis, c'est ton interview. Bon, alors, mon personnage, Yumiya Medusa, élève à Poudlard. Oui. Ami avec Edouard Céterine. Slice Céterine, excuse-moi. T'as calé ton écharpe pour toi. Je lis mal l'anglais, merci. Je te signale que je viens de Grèce de base. Et descendante de Méduse, justement. Et quel est votre programme aujourd'hui pour la chimie? Je suis resté poli. Faire du shopping. Faire des photos. Oui.
puis embêté. Et puis à chaque fois que je verrai un petit blond, je bondirai dessus en criant Drago Malfeuille. En fait, j'ai bien calculé. Et donc, un message à passer à tes proches. Drago en tutu. Drago en tutu. Quoi? Essaye de te l'imaginer en tutu, tu verras. Oh non, arrête! C'est sexy, oui. Oh mon dieu, je préfère voir encore Harry Potter tout nu avec simplement une écharpe sélterine autour des hanches. Mais c'est marqué dans une fiction hier que j'ai lue. Image en tête, au secours. Image en tête, au secours, et en plein milieu du stade de Quidditch pour attirer l'attention de Drago. Ouh, regarde, je vois. Sinon, tu n'as pas d'autres images en tête? Non, ça va. Et pas d'autres trucs en tête. Forcément, ça va, merci bien, bon courage. Allez, et bonne chimie. Allez, Edouard, vas-y, fais mumu. Laisse pas place à tes instincts. Edouard ne fait même pas mumu comme ça. Allez, je suis avec. C'est fait de l'hypnose, mais ça marche pas trop. J'ai une mouche. J'ai une grosse mouche, là. Bon, j'ai une mouche en or massif, certes, mais c'est une vraie mouche en or massif, ça. Et c'est pas raté, hein. Non, c'est John Kay qui pique. Hop là. Ta pute. Mais, harcelé par un bif d'or toute la journée, je le sens. Moi, le bif d'or, si ça continue. Il est combien de temps? Je sais pas. Bah oui, Potter. Cheese. Cheese. Alors, un peu le droit de décrever là, avec toi. Agressez pas, bif d'or. Mais en fait, c'est des violences, bif d'or. Alors ça va, s'il y a des sons en plus ça va. Sauf que je crois qu'on voit un creux là derrière. Alors par bon, contre ça va. Avec mes cheveux longs, je crois que je vais finir par les couper. Ah non. Ils sont jusque là en plus. Non c'est bon, j'écoute plus. Version française courte. Hein? Version française courte, une version longue. Ouais c'est bon, il y a pas si long, ça passe. T'as hiberné? T'es malade? Allez, tous ensemble. Ouais. Ok. Allez. Tu mets un minimum. Je
Normalement, faut qu'il reste debout en fait. Ah, c'est bien.